Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu spéciale. Je fais ma deuxième brocante. En fait, c'est pas tout à fait une brocante, en gros, c'est une bourse aux jouets. Donc, on va être à peu près une cinquantaine d'exposants dans une salle polyvalente. Normalement, ça devrait être pas mal. Vous pouvez voir que j'ai préparé quand même pas mal de choses sur ma table. On a les mêmes lots que la dernière fois, sauf que entre-temps, bah, j'ai ouvert quand même pas mal de boosters, j'ai acheté pas mal de cartes encore, quoi. Là, on a toujours les cartes à 20 centimes, 10 centimes et 50 centimes sur l'étoile. Après, on a quelques doubles sur la série Oh merde, Évolution Céleste. Donc, on a plein de cartes en vrac. Voilà, tout ça c'est des doubles évolutions célestes. Et en plus, je me suis amusé à faire des lots. Attendez, je vais sortir la perche. Hop, voilà. Alors je me suis amusé à faire des lots. Donc là on peut voir allez, il y a au moins 6 ou 7 lots. Donc c'est des lots qui sont comme ça. Donc il n'y a aucun double. Donc je me suis dit que ça pourrait peut-être partir, ça pourrait peut-être plaire. Avec à chaque fois c'est un bec à glaçons holographique. Vu que j'ai ouvert quand même beaucoup de tripacks. J'ai pas encore posté toutes les vidéos, j'ai pas eu le temps. Et puis, enfin, je pense que, je sais pas, ça fait pas énormément de vues, je sais pas si je les posterai un jour. Ouais, j'ai une dizaine de lots comme ça, à peu près de 50 cartes. Je sais pas encore à combien je vais les mettre. Je pensais 10 euros, comme ça fait à peu près 20 centimes la carte avec une holographique. Voilà, c'est que des cartes en excellent état. Donc je pense qu'à 10 euros, ça devrait partir. Sachant que j'ai toujours mes petits lots de 11 cartes à 2 euros. Donc au moins, comme ça, il y en a pour tous les budgets. S'il y a des familles qui ont un peu plus de budget, bah, ils pourront se rabattre sur les paquets bah, à 2 euros. Et puis, bah, j'ai toujours mon petit classeur. Attendez, je vais pousser ça. J'ai toujours mon petit classeur, d'Ultra. On voit mal. Voilà. Donc j'ai toujours mon petit classeur d'Ultra. J'ai vendu un petit peu de Dracaufeu depuis la dernière fois. Il m'en reste plus que deux. Voilà. Après, là, c'est des cartes que j'ai achetées récemment. Il me semble pas que j'ai fait une vidéo pour les Lagron, Brazegali et tout ça. Des fois, j'oublie. En fait, des fois, quand je les reçois, je les mets directement dans les classeurs. Du coup, bah, j'oublie carrément de faire une vidéo ou de les garder. Enfin, voilà. Celle-là, vous n'avez pas dû les voir. La petite énergie gold, bah, elle a été vendue hier soir. Je vais devoir l'enlever et préparer l'envoi. Oui, après, bon, ça, c'est des cartes, voilà. Ça, c'est les cartes à Valentin. Donc, Valentin s'est amusé à mettre ses cartes. Voilà. Lui aussi, il veut récupérer un petit peu de sous avec ses cartes Pokémon, qu'il trouve aussi. Voilà, un petit Raikou, tout ça. Voilà, des cartes quand même relativement basiques. Et puis là, bah, c'est des cartes que j'ai achetées en brocante. C'est toutes les cartes que j'ai achetées en brocante après. Donc j'espère que ça va bien se vendre. Normalement sur une bourse aux jouets, les gens ils viennent pour acheter des jouets, des vêtements, des trucs comme ça. Normalement ça devrait le faire. Voilà, j'espère que ça a bien fonctionné. Donc là il y a encore toute la série comme ça avec les petits. Voilà, je me suis amusé la dernière fois. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, ben allez la voir. De toute façon vous vous spoilez en regardant ça. J'espère qu'elle vous a plu d'ailleurs. Là vous avez là. Hop. Oubliez pas de vous abonner, lâchez un petit commentaire, tout ça. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, après il y a un petit Ectoplasma, Milobélus, ça commence à faire un petit moment que je l'ai. Et puis là, on retombe sur du Évolution Céleste. Voilà, c'est toutes les Reverse, il me semble, que j'ai en double. Voilà, d'ailleurs, sur les Reverse, sur ma collection, il m'en manque 9, je crois. Faut que je les achète, comme ça, après on n'en parle plus et c'est terminé, quoi. Après, il y en a un petit peu d'autres séries, vu que dans les. Bah, dans les. Ah, comment dire, dans les Pokébox, bah, Aqualie, Voltali et Pyroli, il y a d'autres séries, comme le Crabominable, le Tritox. Ça vient pas d'Évolution Céleste, tout ça.
Et voilà. Donc le petit tour, voilà, ce sera mon petit stand de Pokémon. Alors on n'a pas beaucoup de place en plus. Voilà, on a des tables qui font 1,20 m. Voilà, c'est vachement restreint, je trouve. Donc on a deux tables d'1,20 m, donc on a pris au moins 50 cm à peu près pour le Pokémon. Et puis après, je vais vous montrer. Mais on a tout ça de jeux de société. Donc bon, ça va du Triomino, voilà, il y a des figurines. Donc on espère que ça va bien marcher. Allez, moi je vais vous laisser avec une petite vue sur les cartes Pokémon. Moi je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, liker et lâcher un petit commentaire. N'oubliez pas, il y a mon Instagram qui est en description, n'hésitez pas à me suivre, je poste pas mal de photos, voilà, j'essaye d'être actif dessus. Allez, à bientôt!